Puis ils quittèrent la grande route. Le sol devenait sec. Leurs pieds arrachaient des boules de terre. Au parc, elle dit : « On va le mettre là. » Il posa l'oiseau lentement sur le sol au pied d'un petit arbre. Il toucha la terre. Elle était chaude. Ils firent un trou. La brume enveloppait leurs mains. Ils recouvraient la petite chose à bec ouvert. Ils la recouvraient de terre. Et Salim dit : « C'est lent, les enterrements. » C'est lent, je n'y avais jamais pensé. Personne ne court dans les enterrements. Personne n'est rapide. Même les paroles sont lentes dans les enterrements. On parle lentement. Maintenant, on va rentrer, d'accord ? Et pendant qu'il disait ces phrases, on aurait pu croire que l'odeur de fraîcheur ne venait pas de l'herbe, mais de sa bouche et de sa figure. Ils étaient à genoux. Sarah appuya sur l'écran de son téléphone. Un rappeur chanta. Oh mon frère, garde mes yeux loin de la situation. Libère du stress sous forme de vision, libère du stress sous forme de chienne, oh mon frère. Des centaines de billets vont tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes. Mon frère, oh s'il te plaît, libère du stress sous forme de chienne, libère du stress sous forme de vision, oh. Rapproche ma main de la lumière. Rapproche ma main, mon frère, ta tête de crabe, mon frère. Libère du stress sous forme de chienne. Libère du stress sous forme de vision, oh. Des centaines de billets vont tomber. Tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes, ya, 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 ya. Oh, ta tête de crabe, mon frère, oh, 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 ya, ya. Libère du stress, oh, ta tête de crabe, s'il te plaît, oh. Ils laissèrent du silence et Salim souhaita que la terre soit bonne et qu'elle soit légère pour cet oiseau et pour les autres, qu'elle soit des perles éparpillées sous terre, qu'elle soit bonne pour lui, qu'elle lui fasse un duvet, qu'elle soit discrète, une terre discrète et douce et bonne, que son corps repose sous des lattes de crème, de laine, d'animaux doux. Qu'elle le retourne et qu'elle le tourne, que la terre l'avale. La terre avale les morts, elle casse les morts, elle leur casse les os,
que les os des morts craquent, que la terre leur fasse des articulations, qu'elle les enfonce et qu'elle les brise en confettis de mort, qu'elle les enfonce dans une croûte à l'intérieur des continents et sous les continents jusqu'au noyau du monde, que tous les morts descendent et qu'ils descendent, que la terre casse leurs bras en 20 morceaux de bras, qu'elle casse leurs jambes en 20 morceaux de jambes mortes, que la terre les multiplie, qu'elle multiplie les morts et qu'elle les aide, et que les arbres poussent, qu'ils soient des morts pour nos yeux, pour nous, pour nos yeux de vivants, des morts poussés pour nous, des morceaux de leur corps de mort, leurs jambes cassées en 1000 miettes, leurs bras cassés en 1000 miettes, qu'ils fassent des bourgeons, des branches, des ramures. L'épi jacassait dans le parc. Salim secoua l'arbre. Les parties de l'arbre étaient comme les bras d'un enfant cassé, les jambes cassées d'un enfant mort, ses petits bras cassés figés dans l'arbre. Salim chercha une pierre ou du bois. Il ne trouva qu'une canette. Il la planta comme une croix. Sarah montra quelque chose au loin. C'était un homme. Il s'élevait dans le noir, dans un coin du parc, sur une balançoire. Elle dit « Regarde, c'est le fils de la voisine, celui des électrochocs. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se balance. » Tout le monde s'allongeait dans cette maison, car tout le monde s'allonge dans toutes les maisons. Tout le monde finit par s'allonger, car c'est la direction naturelle dans toutes les maisons. Les pièces sont dessinées pour les corps allongés, comme le corps de la grand-mère, toujours horizontal. Chaque fois qu'on s'allonge, l'eau devrait former une flaque dans notre dos, ce serait logique. On boit de l'eau, on se compose d'eau. L'eau devrait faire une mare dans notre dos, dans notre corps quand on s'allonge. Mais l'eau descend. Et même quand on se couche, l'eau se dirige vers le bas. Les matières descendent. C'est leur chemin. C'est la direction normale. On pourrait mettre un morceau de bois dans notre bouche, il descendrait. On pourrait mettre des morceaux de corps humain dans notre bouche, il finirait par descendre. En vérité, les aliments devraient rester coincés dans notre gorge, mais notre corps les fait descendre. On s'allonge et les liquides ne respectent pas les règles de la physique. Ils respectent la règle du corps, descendre, descendre. Le soleil fait de la chaleur et les humains font descendre les choses à l'intérieur d'eux-mêmes.
La cuillère entre, la cuillère ressort. La rangée des dents du haut collabore avec la rangée des dents du bas, comme la lèvre du haut collabore avec la lèvre du bas, comme l'œil de gauche collabore avec l'œil de droite, et les poumons entre eux, comme les ovaires entre eux, et les oreilles entre elles, comme si nous étions deux, deux personnes qui ne se regardent pas, elles ne se connaissent pas, elles ne se rencontrent pas. Chaque personne contient plusieurs personnes, au moins deux yeux, au moins deux jambes. Quand deux personnes se rencontrent, c'est un groupe qui se rencontre. L'œil de gauche ne regarde pas l'œil de droite ne connaît pas l'œil de gauche. S'ils ne se voient pas, s'ils ne peuvent pas se regarder, ce n'est pas à cause de leur position, c'est à cause d'une décision du cerveau. À la radio, la grand-mère avait entendu « Nous voyons toujours notre nez, mais nous ne le savons pas ». Notre cerveau annule l'image de notre nez. Notre cerveau décide. Notre cerveau nous cache les choses qui se trouvent devant nos yeux. On redressait la grand-mère pour la nourrir avec de l'huile, avec du sucre. Quand le yaourt se terminait, on lui disait bravo. On applaudissait près de sa figure. Les enfants, le père, il lui mettait des aliments dans la bouche. De la pomme, des brocolis, de la tomate, du lait et des carottes. Sarah éternua et ses yeux s'allumèrent. Elle regarda tout autour d'elle comme une personne qui se réveille. Elle retira ses écouteurs. C'était un choc. La lumière, les gens, les sons, le vieux, sa tête, elle venait de passer d'une chose à l'autre, comme on passe toujours d'une chose à l'autre, sans préparation. Tant de fois dans la journée, tout au long de la journée, on passe d'une chose à l'autre. Quand on dort, on se réveille. Et quand on ne dort pas, on passe d'une image à l'autre, d'une impression à l'autre. Chaque fois qu'on marche, on avance, on va d'un pas vers l'autre. Chaque fois qu'on parle, on va d'une parole à l'autre. Chaque fois qu'on pleure, on passe d'une larme à l'autre. On oublie la larme d'avant, voici la larme suivante. Chaque fois qu'on fait des gestes, chaque fois qu'on se mouche, on passe d'une substance à l'autre, d'une texture à l'autre, d'une grimace à l'autre et d'une ride à l'autre et sans préparation. On regarde les gens, on passe d'une peau à l'autre, d'un œil à l'autre, d'un front à l'autre, d'une manière à l'autre et d'une voix à l'autre. Chaque fois qu'on crie, chaque fois qu'on se dispute, on passe d'une phrase à l'autre, d'une blessure à l'autre, d'une piqûre à l'autre. Chaque fois qu'on marche dans une forêt ou dans un parc, on passe d'un arbre à l'autre, d'un tronc à l'autre, d'un champignon à l'autre. Dans les maternités, tous les jours, on passe d'un nouveau-né à l'autre, d'une naissance à l'autre, d'un bracelet à l'autre, d'une infirmière à l'autre, d'une civière à l'autre et sans préparation. Chaque fois qu'on apprend, on passe
D'une idée à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une découverte à l'autre, une année après l'autre, on passe d'une saison à l'autre, d'un vêtement à l'autre, on passe d'une fleur à l'autre, d'une herbe à l'autre, et sur les routes, d'un accident à l'autre, d'une voiture à l'autre, d'une vitesse à l'autre, et sans préparation. On déplace nos yeux, mais nos yeux sont déplacés. On absorbe les choses, mais nos yeux sont absorbés. Jonathan supprimait des morts dans son lit, la porte fermée. Il enlevait les morts à cause des cauchemars, car il faisait des cauchemars à cause de tous les morts, car il y a trop de morts. On regarde le téléphone et on apprend un mort. On est toujours en train d'apprendre un mort. Toute la journée et toutes les nuits, on regarde notre téléphone, on nous annonce un mort. Les journaux et les réseaux ne font qu'annoncer des morts à longueur de journée et à longueur de nuit, le plafond tournait. Quand il ne dormait pas, le plafond tournait. Il le sentait, il la sentait, elle rampait. Qui, quelque part, elle venait, pour lui, pour tout le monde. Elle arrivait, dans un mouvement clair, tranquille, complet. Il aurait voulu prier parfois, comme Salim, il le savait. Salim avait dit plusieurs fois « ça marche ». Si tu te concentres, ça marche à chaque fois. Mais il ne pouvait pas. Il ne savait pas comment prier. Est-ce qu'il fallait penser dans les prières? Est-ce qu'il fallait croire en Dieu? Est-ce qu'il fallait imaginer le Dieu, sa tête? On s'adresse à quelqu'un, on est obligé d'imaginer la personne. Il n'imaginait rien, mais quelquefois, une fois, un seul jour, une seule fois au moins, il aurait voulu que ses mains se rejoignent et que tout son corps prie, qu'il prie même sans lui, au moins une fois, une seule fois, que quelque chose existe, une fois, qu'on le regarde, quelqu'un dans le noir, qu'on le regarde une fois. Il murmura, « Allez, s'il te plaît, allez ». Mais dehors, le vent frappait les immeubles. C'était des coups comme des gifles qui tombaient sur les choses continuellement. Des griffes et les sirènes d'ambulance hurlaient dans les rues, mais les rues ne bougeaient pas, elles ne changeaient pas.
Il imagina l'air dehors noir la nuit autour de la chambre, autour de l'appartement, tout cet air noir comme une masse autour du monde. Tout cet air, toute cette nuit noire dehors, comme un être qui mâche. Un être et les personnes, petites, faibles dans la ville, dehors, ou dans leur maison, dans leur voiture minuscule, insignifiante, ou dans leur lit, ou dans leurs pauvres vêtements, les personnes. Et alors, des images étaient remplacées par d'autres images dans son esprit. Les images remplaçaient des images qu'il ne comprenait pas, des formes, des clignements. Les images piquaient dans son crâne comme un poussin qui sort de l'œuf, à coups de bec, à coups de bec. C'était peut-être ça, prier. Laisser son esprit passer dans les images. Laisser l'esprit les faire, laisser l'esprit penser et regarder l'esprit penser. Laisser son esprit seul, alors il priait. Il priait et il continua de prier. Où allaient-ils les morts, tous ces morts? Que faisaient-ils? Ils partaient. Ils allaient dans le temps à l'envers, à contresens du temps. Ils avançaient à rebours. Sur le réseau, Jonathan regarda des pages d'enfants. Il regarda leurs têtes, des enfants de 8 ou 9 ans, des enfants qui se filmaient. Ils mangeaient des kebabs et des frites. Ils trempaient les pains dans des sauces. Ils croquaient dans des hamburgers en se filmant. Ils jouaient à des jeux vidéo. Ils commentaient les gestes de leurs personnages. Et dans 8 ou 9 ans, d'autres enfants auront 8 ou 9 ans. Il bougea les lèvres du bas et il contracta ses narines. Il contractait ses yeux. Il les ouvrait au maximum. Il gardait le visage tendu comme un masque sur lui pour se sentir. Il murmura : les muscles, les muscles.
Il aurait voulu des touches sur son propre corps pour se régler. Une touche pour dormir, une touche pour rire, une touche pour parler, une touche sur le ventre pour ne plus être saoul. Il avalait des pilules, il appuyait sur des images, il se disait « je prie ». Il partageait des images sur la page de Salim, des sortes de papillons, des lézards, il envoyait de tout, des comètes, des maladies au microscope, des célébrités russes. Il photographia sa chambre, il envoya les images noires de sa chambre dans le noir. Il pouvait tout envoyer. Miraculeusement, toutes les images partaient. Il n'y avait pas de limite. Elles partaient sans problème. Elles ne changeaient pas en cours de route, car nos images ne changent pas. On sauvegarde une image, on la retrouve 10 ans plus tard, elle n'a pas bougé. Il y a longtemps, les images bougeaient, elles perdaient leur couleur. Les images étaient rangées dans des livres, des cadres. Elles vivaient dans le monde comme les fruits et les légumes. On les mettait dans un portefeuille, dans une poche, dans un tiroir, et elles changeaient, comme les gens.最后一页和第一日的现诗。今夜你的黑头发是岩石上寂寞的黑夜。牧羊人用雪白的羊群填满飞机场周围的黑暗。黑夜比我更早睡去。黑夜是神的伤口，你是我的伤口，羊群和花朵也是岩石的伤口，雪山用大雪填满飞机场周围的黑暗，雪山女神吃的是野兽，穿的是鲜花。今夜，99座雪山高出天堂，使我彻夜难眠。七月的大海，老乡们，谁能在大海上见到你们，真是幸福。我们全都背叛我们自己的故乡，我们会把幸福当成祖传的职业。放下手中痛苦的诗篇。今天的白浪真大，老乡们，它高过你们的粮仓。如果我终止诉说，如果我意外地忘却了你，把我的故乡抛在一边，我连自己都放弃，更不会回到秋收农民的家中。在七月，我总能突然回到荒凉，赶上最后一次，
我戴上帽子，穿上泳装，安静的死亡。在七月，我总能突然回到荒凉。重建家园，在水上放弃智慧，停止仰望长空。为了生成你，要留下屈辱的泪水，来浇灌家乡平静的果园。生成无需洞察，大地自己呈现。用幸福也用痛苦，来重建家乡的屋顶。放弃沉思和智慧，如果不能带来麦粒，请对诚实的大地保持缄默，和你那幽暗的本性。风吹炊烟，果园就在我的身旁静静叫喊。双手劳动，慰藉心灵。Bonsoir, merci d'être là, merci à François, merci à Sandra. Là je vais vous présenter une revue. C'est une revue de poésie et de littérature qui s'appelle Muscles. C'est une revue qui existe depuis plus de 7 ans, c'est un tout petit format. Et elle a été créée par Arnaud Caléja, qui est un poète, et moi. Il y a un moment, et puis Arnaud a quitté la revue à un certain moment, et aujourd'hui je m'en occupe avec Roxana Hachemi, qui est poète aussi et traductrice. Je vais vous montrer comment c'est un muscle. Donc ça s'ouvre comme ça, et c'est comme ça. Donc derrière vous avez les noms des auteurs. Toujours deux auteurs, autrices, donc deux textes à chaque fois. C'est un format très simple, c'est très facile à faire pour nous, et puis c'est très facile à envoyer, par exemple, ça rentre très bien dans une enveloppe. Voilà, donc il y a plusieurs numéros de muscles, il y en a d'ailleurs 34, et on a publié beaucoup d'auteurs. On a publié beaucoup d'auteurs non francophones. En fait, on publie beaucoup de traductions, assez régulièrement. Pas seulement, on publie aussi des auteurs et des autrices francophones, mais on a aussi publié vraiment beaucoup de traductions. Et la vidéo que vous venez de voir, c'est donc une lecture. C'est une lecture en chinois de Binjie Luan. C'est Binjie Luan qui lisait en chinois. Et elle a traduit vers le français un texte de Ai Zi, qui est un poète chinois du XXe siècle, qui est mort assez jeune et qui en Chine est vraiment une sorte de modèle, quelqu'un de très important pour les jeunes poètes. En France, il existe très peu de traductions de Ai Zi. Donc voilà, il en existe une en tout cas dans cette revue Muscles. Et Binjie Luan, pour l'histoire, c'est une jeune artiste poète qui vivait à Marseille pendant un moment. Elle a fait des études d'art à Marseille et puis elle est retournée en Chine. Donc elle parle français, et un français avec des petites fautes. Donc elle m'a fait une pré-traduction de Ai Zi et puis j'ai retravaillé la traduction avec elle. Voilà comment on fait parfois pour trouver des traductions, pour traduire des poètes. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce soir, on va diffuser donc deux autres vidéos. Je vais vous les présenter. Mais avant ça, je vais vous parler du dernier numéro de muscle parce que c'est un numéro spécial. Donc, comme je vous ai montré, un muscle se déplie facilement. Mais pas le dernier, figurez-vous. Figurez-vous que le dernier, c'est un,
Le dernier, c'est un petit livre. C'est un petit livret. Pour la première fois, on a fait un livret comme ça, avec des pages qu'on tourne de manière assez classique, finalement. Et ce petit livret, qui fait combien de pages fait-il ? 23 pages. Ce petit livret contient un dialogue inédit entre Maggie Nelson et Björk. Donc Maggie Nelson, c'est une autrice états-unienne qui a publié plusieurs livres aux formes hybrides, essais, poésie, essais, autofiction. Et Björk, c'est une chanteuse dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et elles ont dans ce dernier muscle un dialogue. Et l'ensemble a été traduit par Céline Leroy. Voilà, donc ça c'est le dernier muscle, je voulais vous en parler. Maintenant je vais vous présenter les deux vidéos que vous allez voir, qui sont relativement courtes. D'abord, vous allez regarder une vidéo qui est un petit film. Ce n'est pas vraiment une lecture d'un poète ou d'une poète filmée de face, non, c'est un petit film qui a été réalisé à partir d'images d'archives, je pense, et qui a été fait par Marie de Quatre-Barbes et Maëlle Guédon, qui sont deux auteurs, poètes, auteurs, autrices, poètes, qui publient de la poésie donc qui nous ont offert ce texte. Donc on les a publiés dans la revue. Et comme on ne peut pas toujours faire venir les auteurs, donc nous on habite à Marseille, donc on ne peut pas toujours faire venir les auteurs à Marseille, donc on leur demande de nous envoyer des vidéos. Ce qui fait qu'on a constitué peu à peu une sorte de collection de vidéos de poètes qui nous lisent leurs poèmes. Donc vous allez pouvoir visionner cette première vidéo de Marie de Quatre-Barbes et Maëlle Guédon. Ça s'appelle, je crois, « Comment hanter les maisons ?» Je ne me souviens plus exactement du titre, mais il s'affichera. Ça commence par « Comment hanter les maisons ?» Et ensuite, vous allez voir une autre vidéo qui, cette fois-ci, est une lecture. Donc, c'est une lecture de Sabine Huyn. Sabine Huyn, c'est une traductrice qui a traduit beaucoup de poètes états-uniennes. Dernièrement, notamment, il y a un volume qui a été publié des poèmes de Anne Sexton. Et voilà, elle traduit très régulièrement beaucoup d'œuvres très importantes. Donc c'est une traductrice avec laquelle on travaille beaucoup pour Muscle. Et là, justement, elle va nous lire ses poèmes de Anne Sexton, enfin quelques poèmes de Anne Sexton. Donc voilà, deux vidéos. Alors ensuite, côté un peu pratique, vous me direz peut-être, mais comment se procurer cette revue Muscle ? Et donc, je vous répondrai, eh bien, on a un site internet. Parce que, bon, on en trouve en librairie quand même. Par exemple, ici à Paris, il y en a au Mot à la Bouche, au Mont-en-l'Air. Donc, si vous avez l'occasion d'aller dans ces librairies, vous pouvez attraper quelques muscles. Mais vous pouvez aussi aller sur notre site et là, vous avez tous les muscles. Vous pouvez commander facilement. Le site, c'est facile, c'est revumuscle.com. Voilà, je vous laisse maintenant avec les deux vidéos. Merci. On est un fantôme, et à la minute suivante, on est sur pied, libre d'aller et de venir comme on veut. On se réveille et les pâquerettes blanches sont devenues bleues, sans raison. Pendant 50 000 ans, elles n'ont pas changé de couleur, et un jour pousse une pâquerette bleue. Peut-être qu'un léger trouble est survenu à l'intérieur de l'essaim qui compose la pâquerette, l'essaim qui habite au sein de la pâquerette et qui, un beau jour, a décidé qu'elle cesserait d'être blanche pour devenir bleue. Les entités qui composent les seins construisent nos tissus et remplacent les portions de nerfs qui s'usent avec le temps. Elles construisent nos tissus et remplacent les portions de nerfs qui relient la pulpe de nos doigts à nos mains lorsque nous touchons la surface des objets et les pressons très légèrement.
Elles reconstruisent les nerfs fatigués d'être si souvent entrés en contact avec les objets lorsque nous les touchons. Elles remplacent les portions de nerfs qui s'altèrent à ce contact répété. Et même les autres nerfs, ceux qui sont protégés des objets en raison de leur place à l'intérieur du corps, ceux qui se situent à l'intérieur du corps et ne rentrent jamais en contact direct avec les objets, s'usent à leur tour. Comme les nerfs situés à la surface de nos corps, les nerfs enfouis connaissent la forme des objets. Ils connaissent les formes qui pénètrent dans nos mains lorsque nous les posons sur les objets. Lorsque nous pressons très légèrement la peau d'une pêche, par exemple, la peau de nos doigts s'ouvre et la pêche entre en nous par sa forme. Même les nerfs qui sont protégés du contact direct des objets s'usent de ce contact et du contact de l'air et de ses courants. Les nerfs s'usent en raison des formes qui pénètrent dans le corps et ne veulent pas sortir. Le corps est plein de la présence des objets et des mouvements de l'air, et le corps grossit de ces présences. C'est une salle remplie de machines et de nerfs, une salle sans délimitation, susceptible de garder mémoire de tous les objets perçus et enregistrés par les nerfs. Au milieu des objets, de l'air et de ses mouvements, les nerfs forment cordes et pelotes. Ils se recomposent à mesure que de nouveaux objets pénètrent dans la salle et se rangent parmi les autres. Les nerfs n'interrompent jamais le transfert, les entités les reconstruisent. Les entités sont là pour réparer les nerfs des attaques extérieures et surveiller leur fonctionnement. Elles veillent à la conservation des nerfs et vérifient que chaque faisceau fonctionne. Mais dès que dans un corps, les conditions d'existence deviennent mauvaises, à la suite d'une maladie fatale, d'un accident mortel ou du fait de la vieillesse, les entités abandonnent ce corps. Elles quittent le corps dont elles ne peuvent plus soigner les nerfs. Lorsqu'elles ne peuvent plus ranger les objets intérieurs, tous les objets dont ce corps est empli et qui l'encombrent désormais et qui font de lui une déchetterie à l'abandon ou la maison d'un mort. À peine les entités arrivent-elles dans un nouveau corps qu'elles se mettent au travail pour réparer les portions de nerfs en prise avec les mouvements de l'air et la forme des objets. Kat n'a pas mangé. Elle ne se rappelle de rien. Vous devriez faire attention avec ça. Un jour, vous risquez d'avoir des surprises. Elle pose toujours une question, l'air de rien. Elle veut être sûre, elle teste. Une question sur notre vie. Et puis il y a quelqu'un ou quelque chose qui apparaît dans une tunique sombre, elle ouvre la porte et la referme. En 2 ans, Kat a fréquenté 9 écoles différentes, elle a mangé dans 9 cantines différentes. Elle ne se souvient plus du nom des élèves ni de leur visage. Elle évite ce genre de questions qu'on se pose en attendant de passer de l'autre côté. Les murs ont-ils une mémoire? Comment est le monde où vous vivez? Pouvez-vous rencontrer des personnages célèbres du passé, Louis XIV par exemple? Les esprits se parlent-ils? Les esprits sont-ils vraiment partout, dans les magasins, les maisons? Est-ce qu'ils nous voient quand nous faisons l'amour? Est-ce qu'ils ont des besoins corporels? Un esprit peut-il pleurer? Un esprit peut-il créer des petits objets ou des bibelots? Un esprit a-t-il besoin de matériel technique pour communiquer avec nous? Comment faisiez-vous avant l'invention de la radio? Est-ce que ma mère peut me voir tout le temps? Les esprits hantent-ils Internet? Existent-ils des esprits de lynx, de hibou ou de petites entités microscopiques? Que pensent-ils de la montée des marches? Peut-on parler à la petite roussette, au tigre de Bali, au pika des îles Tyriennes et au dauphin du fleuve Yangtze? Les esprits rattrapent-ils les disparitions? Kat s'allonge sur mon lit, silencieuse. On revient tout juste d'une sortie ludique. On s'est installé dans ma chambre pour regarder le diaporama de cette sortie ludique. On regarde les images sur le mur. Et au bout de quelques minutes, il se passe quelque chose. Le curseur de la souris se met à bouger sur le mur. Il dessine une ligne de gauche à droite et puis, très lentement, de haut en bas. C'est à peine perceptible, juste un petit tremblement, comme une petite respiration. C'est à ce genre de détails que nous tenons. Nous sentons leur effet immédiat sur nos corps, comme si la surface de nos corps percevait un peu plus que d'habitude.
comme s'il se produisait entre nos corps et la surface des objets une respiration. Il y a beaucoup d'énergie qui circule entre nos corps au moment où Kat se penche vers moi sans me toucher directement. Soudain, je sens ce qui se produit à la limite exacte de nos peaux et nous fait trembler, alors que nous bougeons très légèrement l'un vers l'autre. Nous modifions très légèrement l'équilibre qui nous retient de tomber l'un vers l'autre. Nos peaux ne se touchent pas, mais il y a ce léger tremblement entre nos corps et le curseur qui bouge sur le mur. Bonjour, je vais vous lire 5 poèmes de Louise Gluck que j'ai traduits de l'anglais. Louise Gluck, Un jardin d'été. 4. Ma mère est morte la nuit dernière, ma mère qui jamais ne meurt. L'hiver était dans l'air, c'était il y a plusieurs mois, mais dans l'air quand même. C'était le 10 mai. Des fleurs de jacinthe et de pommiers avaient éclos dans le jardin. Nous pouvions entendre Maria chanter des chansons de Tchécoslovaquie. Je suis tellement seule, des chansons de ce genre. Je suis tellement seule, sans mère ni père, ma tête semble si vide sans eux. Des effluves ont émané de la terre. Les assiettes étaient dans l'évier, rincées mais pas empilées. Sous la pleine lune, Maria pliait le linge. Les draps raides sont devenus des rectangles secs et blancs de clair de lune. Je suis tellement seule, mais dans la musique, mon chagrin et mon réjouissement. C'était le 10 mai, comme cela avait été le 9, le 8. Ma mère dormait dans son lit, les bras tendus, la tête en équilibre entre les deux. Flocons de neige. Sais-tu ce que j'étais, comment je vivais? Tu sais ce qu'est le désespoir, alors l'hiver devrait signifier quelque chose pour toi. Je ne m'attendais pas à survivre avec la terre qui m'avalait. Je ne m'attendais pas à me réveiller à nouveau, à sentir dans la terre humide mon corps capable de réagir à nouveau, se souvenant après si longtemps comment s'ouvrir à nouveau dans la lumière froide d'un début de printemps. Apeuré, oui, mais à nouveau parmi vous, en pleurs, oui, oser la joie, dans le vent violent d'un monde nouveau. Le coquelicot rouge. Ce qui est formidable, c'est d'être dénué de conscience. Des sentiments, oh, j'en ai, ils me gouvernent. Je possède un seigneur au paradis, appelé le soleil, et je m'ouvre pour lui, révélant à son feu celui de mon propre cœur, brûlant comme sa présence. Qu'est-ce qu'une telle gloire, sinon un cœur? Ô mes frères et sœurs, me ressembliez-vous il y a longtemps avant de devenir humain? Vous êtes-vous permis de vous ouvrir une fois, vous qui ne vous ouvririez plus jamais? Car en vérité, je parle maintenant, de la même manière que vous, je parle car je suis en miettes. Les enfants noyés. Tu vois, ils n'ont aucun jugement. Il est donc naturel qu'ils se noient. D'abord, la glace les avale, puis, tout l'hiver, leurs écharpes de laine flottent derrière eux pendant qu'ils coulent jusqu'à se taire enfin. Et l'étang les emporte dans ses multiples bras sombres. Mais la mort doit venir à eux autrement, si peu de temps après l'éclosion, comme si la cécité et la pesanteur les avaient toujours définis. Ainsi, le reste est un rêve, la lampe, l'étoffe épaisse et blanche qui recouvrait la table, leur corps. Et pourtant, ils perçoivent le nom qu'on leur donnait, comme des appâts caressant l'étang. Qu'attendez-vous? Revenez, rentrez à la maison, égarés dans les eaux
bleues et immuables. Une œuvre de fiction. Alors que je tournais la dernière page, après d'innombrables nuits, une vague de chagrin m'emporta. Où étaient-ils tous partis, ces gens qui semblaient si réels? Pour me distraire, je marchais dans la nuit. Instinctivement, j'allumais une cigarette. Dans le noir, la cigarette brillait comme un feu attisé par un survivant. Mais qui verrait cette lueur, ce point infime parmi un nombre infini d'étoiles? Je restais debout un certain temps. Dans le noir, la cigarette brillait tout en s'abrégeant, chaque inspiration m'anéantissant patiemment. Qu'elle était petite et si brève, 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 mais en moi à présent, ce à quoi les étoiles ne pourraient jamais prétendre. Oui, alors excusez-moi, parce que j'ai confondu Anne Sexton et Louise Gluck. Donc c'était une traduction de Louise Gluck, donc une autrice qui a reçu le prix Nobel il y a 2 ans, prix Nobel de littérature. Mais Anne Sexton aussi, Sabine Nguyen a aussi traduit des textes d'Anne Sexton, et vous trouverez la vidéo sur la chaîne YouTube de la revue Muscle, si jamais ça vous intéresse. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour tout, et merci tout le monde, à bientôt.